Il y a quelques jours, c'était Noël, et Missor a eu la bonne idée de nous offrir des nerfs. On va couler l'entreprise. Missor et Massoud, ils ont hésité assez longtemps avant d'acheter les nerfs parce que ils se sont rendus compte qu'il y avait un potentiel de nous faire perdre beaucoup de temps. Heureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils avaient raison, mais dans un certain sens, ça peut nous aider à être plus productifs. Puisque quand on est allé racheter des nerfs pour que tout le monde puisse en avoir, puisqu'on est 6, on peut pas satisfaire de seulement 2 nerfs, on s'est dit qu'on allait acheter exactement les mêmes. Comme ça, ceux qui voudront de meilleurs nerfs devront le mériter. Designed for high performance. Ouais, c'est bon, quand même. Ok, je pense qu'on va aller à Nice Étoile, en fait, au magasin de jouets tout en haut, pour voir qu'est-ce qu'ils ont. Tu le trouveras, il n'y en a qu'un. Ça marche, vas-y à toutes. Et on nerf. On y va? Tout a commencé, je sais pas si quelqu'un a déjà raconté ce début de l'histoire. Tout a commencé quand quelqu'un est venu à l'atelier chercher une statue. Quand quelqu'un est venu à l'atelier chercher une statue. Oui, j'adore. Et donc c'était une dame qui achetait la statue pour son mari, c'était un cadeau pour Noël. Et oui, s'il te plaît. T'inquiète, j'arrive. Et en fait, elle avait acheté. Donc elle venait chercher le cadeau pour son mari. Et elle avait chopé des cadeaux pour ses enfants aussi. Donc elle avait son vélo avec tous les cadeaux. Et il y avait un des cadeaux qui n'était pas emballé. On lui a demandé c'était quoi. Et en fait c'était une boîte de nerfs. Et elle nous a convaincus. Donc on est allé acheter des nerfs. Et donc on n'arrive pas à comprendre pourquoi tout le monde aime autant les nerfs. Et moi je crois que j'ai compris. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Mais oui. C'est pour ça. Et quand tu touches quelqu'un, tu sais que ça lui a fait mal. Moi, ce que j'aime bien dans les nerfs, c'est que, en fait, c'est une sorte de détente, mais ça nous permet de bouger. On n'est pas genre à scroller Instagram comme d'habitude on fait entre nos heures de travail. On est constamment en train de bouger, en train de faire des trucs, en train de vraiment s'amuser, puis ça nous fait rire. Et donc, du coup, ça nous permet de continuer à bouger et faire des vrais trucs. En fait, on a trouvé une nouvelle méthode quand on vlog pour réussir à mieux se concentrer. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte que quelqu'un d'autre tire sur nous pendant qu'on parle. Ça permet une concentration maximale parce que du coup, on va être synthétique quand on parle. Ça évite de faire des vidéos trop longues qui durent des heures. Moi, ma stratégie, et elle marche très bien, c'est... je charge mon arme. J'ai une technique pour charger l'arme doucement. Parce que j'appuie comme ça. Et j'attends que la personne se retourne pour charger les balles, et j'avance très discrètement, très doucement, et je tire à... Ça, je l'ai vu. Et ça, c'est un bon truc de lâche. Ça, c'est ma spéciale. C'est pas un truc de lâche, c'est tellement satisfaisant. Ouais. Il y a rien de plus satisfaisant que tirer à bout portant dans une oreille. Mais et qu'après, la personne, elle fasse... Ah. Aïe. Mon coude, aïe. Tellement de lâche. Donc, on a chopé les nerfs, et c'était tellement drôle. Et ça a réveillé quelque chose en nous de tellement profond que j'ai jamais vu les troupes aussi motivées à aller acheter des nouveaux nerfs. Genre jamais de ma vie, j'ai vu les gens marcher aussi vite.
Peut-être que ça nous ramène un petit peu à notre côté plus primitif de tout le temps être aux aguets pour voir s'il n'y a pas un guépard qui se faufile derrière une herbe. C'est vrai. Mais c'est un cauchemar. Je vous le souhaite pas. Est-ce que t'as pas peur que la vie ici devienne un enfer ? Mais c'est devenu un cauchemar. À cause du fait qu'on peut même pas dormir tranquille. Je le souhaite à personne. Vous n'avez pas de race, les gars. Bon, en fait, disons que quand il y a quelqu'un qui est en train de travailler un peu trop sérieusement, quand il y a quelqu'un qui est un peu trop sérieux pour son propre bien, il est normal, j'estime, qu'on se regroupe derrière lui dans l'angle mort, qu'on vise sa tête et qu'on tire tous en même temps dans sa tête. C'est normal. C'est pour lui rappeler que la vie, la vie, c'est dur. Elle se fait réveiller par les coups de nerf. Putain, c'est quelque chose. C'est vrai que maintenant, tu peux plus, genre, vraiment... J'ai remarqué que nous tous, on se retourne plus, genre quand on nous appelle, on se retourne plus comme ça. On est tout le temps comme ça là. On a tout le temps nos épaules qui remontent. Pour... Vraiment, nos réflexes ont changé. Quoi ? Ça va pas ? Attends, je fais le. Tu fais l'effet. Tu fais la transition ? Si tu devais choisir, c'est quoi ton préféré, Massoud ? Je crois que c'est celui-là parce qu'il a le truc pour mettre plein de balles là. Donc t'as pas à le recharger toutes les deux secondes ? Ouais. C'était bien ton anniversaire ? C'était bien, ouais. J'ai aimé le cadeau de ma vie. C'est vrai ? C'est vrai ? Ouais. Attendez ! Est-ce que vous êtes conscient qu'on s'était dit qu'on achèterait de meilleurs nerfs pour que ce soit des récompenses quand on arrive à être très productif et à atteindre notre objectif? Et là, on est juste en train d'en acheter pour les anniversaires. Bon, en fait, le problème, c'est que on n'a pas le temps d'attendre. La caméra, elle dit enfant en bas âge. Oh, what? Elle t'a reconnu comme un enfant en bas âge. Je savais pas qu'elle disait des trucs comme ça. Aïe! Y'a des piles dedans ou pas? Qu'il en faut, je crois. Y'a pas de Et en fait, c'est bizarre. Oh, 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 oh non.